Bon les petits potes, cette vidéo elle sort du coup après les fêtes, donc en tout cas je voulais juste vous souhaiter une bonne année et puis j'ai envie de vous dire bah let's go pour le début de cette vidéo. Et salut tout le monde, c'est Zadé, je suis pote, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. En tout cas j'espère que vous avez une pétale forme, en tout cas moi Jean, ça va vraiment nickel. Aujourd'hui, petit pote, comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo que je kiffe faire chaque année, que je fais deux fois dans l'année, vu que je fais aussi pour mes cadeaux d'anniversaire. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour du coup vous montrer tous mes cadeaux de Noël que j'ai eu. Voilà, donc je les ai pas encore tous eus. Voilà, donc en gros, il sera entre guillemets, cette vidéo sera entre guillemets en deux parties pour vous, même si ça sera carrément des vidéos à la suite. Enfin, il y aura juste une petite coupure, j'aurai sûrement bah, du coup changé de tenue. Mais sinon, ça ne changera rien du tout. C'est juste pour moi, il y aura des jours qui vont s'écouler entre-temps. Mais c'est tout. En tout cas, les petits potes, sachez que je ne vais pas du tout, comme chaque année, cette vidéo pour me vanter. Voilà, je veux juste vous partager ce que j'ai eu tout. Enfin bref, vous avez capté le topo. Et aussi, j'espère que vous avez passé Je tourne cette vidéo le 25 décembre au soir. Désolée s'il y a du bruit et tout. Enfin bref. Il y a un peu de musique et tout. En tout cas, sachez que je tourne cette vidéo le 25 décembre au soir. Et j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Et que vous passez de bonnes fêtes. Que vous avez passé de bonnes fêtes en fonction de quand la vidéo sortira. Et aussi, les petits potes, sachez que derrière cette vidéo, je suis partie au ski pendant une semaine là. Et j'ai fait une petite journée au ski. Je vous ai filmé une de mes petites journées au ski et tout. Donc avec des potes et tout. Donc, les petits potes, si cela vous plaît, vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui sortira. Quelques jours après celle-là, voilà. Donc bah sur ce les petits potes, je crois que c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire. En tout cas aussi j'espère que niveau éclairage et tout ça va un peu mieux, parce que vous voyez c'est un bel éclairage blanc, parce que j'ai une petite ring light là que vous pouvez le voir un peu dans le reflet, voilà. Donc c'est cool, elle fait plusieurs vous avez peut-être rien à foutre, mais elle fait plusieurs lumières. Donc elle fait celle-là, un peu bleu, jaune et blanc, voilà, après l'intensité et tout. Donc en tout cas j'espère que ça va un petit peu mieux niveau qualité. Bon, on voit mon ombre derrière, c'est pas grave, il m'en faudrait une sur les côtés. On s'en fout, ok? En tout cas, voilà, les petits potes, bah sur ce, j'ai envie de vous dire, commençons la vidéo. Premier truc, un truc de sport. Voilà, je vous montre très rarement des trucs de sport dans mes vidéos, mais je vous en montre un là. Donc voilà, un petit truc Nike et tout, bah c'est pour le foot, voilà. Donc je l'ai pris en taille XL, voilà, c'est un prank. Et bah non, c'est vraiment du XL, mais c'est du XL enfant, voilà. Donc voilà, putain, j'espère le bruit va pas trop vous déranger, j'espère que ça va aller, parce que... Ouh, c'est chiant. Donc voilà, il est vraiment cool. Voilà, un peu avec cette couleur un peu violette et tout. Les couleurs vont très très bien, je trouve. Et là, c'est pour mettre les mains. Donc il y aura sûrement des articles, sûrement un porté de chaque article. Je suis pas sûre. Vraiment, c'est vous l'aurez à la fin de la vidéo si j'ai pas la flemme, ou genre ici. Enfin bref, si j'ai pas la flemme, vous verrez quelque chose. Si j'ai la flemme, bah il y aura pas de truc tout simplement. En espérant pour vous que j'aurai pas la flemme. Voilà, donc ça c'était le premier article, on s'en fout un peu. Bon, c'était juste pour vous montrer. Ensuite, on commencerait pas par directement du lourd, un petit peu. Voilà, donc vous savez, je suis sur Nantes et tous les gars, et j'ai trouvé un magasin vraiment cool sur Nantes. Ça s'appelle House of California pour ceux qui viennent de Nantes, voilà, les petits Nantais, etc. Et bah, j'ai acheté mon premier article là-bas, un petit t-shirt Carhartt. Voilà, comme j'affectionne cette marque, les petits potes, j'en ai. On voit pas le logo, j'en ai un là. Ah, mais j'affectionne cette marque, du coup, bah, celui-là, voilà, tout simple, tout noir, avec le logo en or et le petit truc rouge brodé ici qui fait vraiment trop le taf, je le trouve vraiment incroyable. Donc, du coup, voilà, il est vraiment cool, gros col épais comme je kiffe. Bon, bref, vous avez capté le topo, pas besoin d'en parler trop. Ensuite, les gars, prochain article, bah, c'est un article que, genre, je ne pensais réellement pas acheter dans ce magasin. En fait, j'y vais jamais, genre, vraiment, et puis on n'avait pas trop vers chez moi. Et du coup, bah, j'y allais clairement jamais. Mais en vrai, les gars, c'est vraiment une dinguerie pour certains trucs. Donc, en gros, c'est un t-shirt hyper épais. Vraiment aussi épais que les Carhartt. Donc, vraiment, je suis hyper choquée. Et ce t-shirt, vous savez quel prix je l'ai payé? Je l'ai payé même pas 10 balles. Je suis choquée. Parce que c'est une qualité de malade. Et c'est un H&M. Je suis clairement choquée, les gars. Alors, en plus, la couleur est vraiment cool. Elle ressort moins bien en caméra. Mais elle est vraiment cool. En plus, j'en avais pas étudié comme ça. Et franchement, je suis hyper choquée de la qualité de. Franchement, je suis choquée. Faudrait. Que vous puissiez avoir le toucher à travers les vidéos. Parce que je suis vraiment choquée pour même pas 10 balles. Enfin bref. Du coup voilà, hyper cool. Petit t-shirt, voilà, tout simple. Au calme. Bon les petits potes, là maintenant on se retrouve pour un petit sujet un peu plus sérieux. Voilà, sur de la petite chemise. Voilà. Oui, parce qu'en ce moment les gars, je kiffe les chemises. Du coup, voilà. Donc j'ai acheté une petite chemise Dickies. Et honnêtement, elle a quoi? Elle a rien d'exceptionnel. Elle est juste blanche, tout simple.
mais genre hyper lourde, vraiment le col et tout, vraiment hyper bonne qualité et tout. Elle est juste toute blanche et tout comme ça, donc rien de fou, mais elle est vraiment cool. Et cette chemise, par exemple, bah, je l'ai mis aujourd'hui pour les repas de Noël, mais elle est vraiment cool. Sinon aussi, ça fait un peu mode skate et tout avec un petit jean, ça passe crème, les gars. Bon, les petits potes, on continue, je prends un peu les articles au hasard. Avec un sweat, mais vraiment, c'est mon sweat qui est devenu mon sweat préféré, voilà. C'est un petit sweat comme ça qui est tout gris, tout simple. Il ne paye pas de mine comme ça, mais il est vraiment hyper lourd parce que quoi, les petits potes? Marque Carhartt, voilà, donc juste avec le petit logo Carhartt sur la manche, voilà, il est vraiment hyper cool, hyper lourd. Enfin, que dire de mieux que. Waouh! Si vous voulez un truc hyper cool, achetez Carhartt, les gars. Voilà, enfin bref, il est vraiment hyper stylé, je le kiffe. J'avais pas de sweat gris en plus, donc un petit gris chiné comme ça, hyper cool, je le mets tout le temps, tout le temps, tout le temps, je le saigne. Et franchement, voilà, il est lourd. Voilà, je vous conseille fort les sweats Carhartt, incroyable. Et pour finir, les petits potes, c'est rare que j'en présente sur les vidéos, mais on va passer au niveau des bas. Voilà, c'est très rare que j'en achète. J'en ai acheté en tout 3 de la même catégorie, de la même marque et de la même ouais, catégorie. Donc, vous savez, il y a les je sais pas combien, il y a les Levi's 501, vous voyez, bah c'est exactement la même catégorie. Voilà, donc c'est de chez Bershka. Ils sont vraiment cool, sauf que là j'en ai que 2. Mais si je fais importer, je vous montrerai le troisième et tout. Enfin, ouais, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. En gros, les petits potes, là, j'ai 2 jeans de la même catégorie. Voilà, c'est de chez Bershka, des stretch vintage. Voilà, donc ils sont vraiment hyper cool. Et j'en ai un troisième, un bleu ciel. Voilà, mais je l'ai pas ici parce qu'il est au sale. Mais je vous montrerai une photo ou importer. Voilà, donc ils sont vraiment cool. Voilà, je suis hyper à l'aise parce qu'ils sont larges. Ils sont bien, ils taillent bien, ils tombent bien sur la paire et tout. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment cool. Voilà, et puis là, pareil en noir. C'est pas réellement un vrai noir, il est pas noir noir, mais il est vraiment, c'est un noir un peu délavé, il est vraiment cool. Donc voilà, enfin bref, après c'est des jeans les gars, je pense que vous connaissez hein, les petits jeans. Mais si vous voulez être à l'aise et avoir des jeans de hyper bonne qualité, parce que c'est aussi un magasin de Bershka que j'ai un peu découvert, puis comment vous dire que bah, il n'y en avait pas trop bien chez moi, à Lyon, il n'y en a exactement qu'un, et là où il est, j'y vais clairement jamais. Et du coup, bah, vraiment, avoir un petit Bershka à Nantes, c'est vraiment sympathique. Donc, foncez à Bershka, les gars. Et pour finir de chez Bershka, les petits potes, j'ai aussi acheté là-bas un petit chino. Et je le mets aussi tout le temps, je le saigne de ouf. C'est un petit chino kaki, voilà, large, je sais. Et qui se referme un peu plus ici, mais il tombe assez bien sur la paire, un peu plus court que les autres. Voilà, c'est un Bershka loose. Voilà, la catégorie du truc, il est tout simple. Il a juste une petite poche sur le petit côté ici. Mais il est vraiment cool aussi. Enfin bref, du coup, voilà. Franchement, si vous voulez des jeans vraiment cool de qualité et des petits chinos comme ça, foncez à Bershka et petits potes, c'est trop stylé, c'est trop bien. C'est. Voilà, je vous conseille de ouf. Bon, là, les petits potes, c'était la partie dernier achat et tout. Donc voilà, je me suis fait assez plaisir. Et là, maintenant, on va passer niveau catégorie vêtements. Donc, de mes cadeaux de Noël cette fois-ci. J'ai pas tout eu, voilà. Après, j'ai eu un peu d'argent et tout à côté, mais ça, on s'en fout, les petits potes. Donc, comme je vous ai dit, ce sera un petit peu en petite à part. Enfin, bref, vous avez enfin, des vidéos qui vont être collées. Enfin, bref, je raconte que de la merde, mais vous avez capté le truc. Du moins, j'espère. Mais du coup, je vais vous montrer tout ça. Je suis hyper contente, honnêtement. En plus, c'est un peu plus varié maintenant parce que j'ai une nouvelle marque que j'avais jamais montrée sur ma chaîne. Donc, voilà. Enfin, vous en foutez, moi, ça me fait plaisir. Et sur ce, bah, j'espère que j'ai rien oublié, mais en tout cas, je vais tout vous montrer. Donc déjà, une petite connerie, on a fait ces années un cadeau de table, donc je sais pas si vous connaissez, mais bah, c'est des cadeaux de table, c'était la première année qu'on faisait ça, c'était vraiment cool. Et souvent, c'est des petites conneries, et là, par exemple, bah, j'ai eu un range-jeux vidéo où je peux mettre les jeux de Switch, Xbox et PS4. Donc là, j'ai choisi de mettre les jeux de Switch, j'aurais très bien pu mettre ceux de mon Xbox, mais voilà, je trouvais que ça rendait bien et tout. Du coup, je l'ai calé sur mon petit bureau et... Je trouve que ça fait bien, enfin bref, voilà. Voilà, petite connerie du truc, donc je suis assez contente, enfin bref. Du coup, maintenant, mes petits potes, on va commencer directement au plus lourd. Mais juste avant, on continue avec un petit truc, enfin un petit truc. Avec mon petit parfum Calvin Klein, voilà, j'avais demandé un petit parfum et j'avais envie de lui depuis un moment parce que je trouve qu'ils sont hyper bons. Voilà, si j'arrive à l'ouvrir, je pourrais vous montrer. Voilà, donc. Parce qu'il y a le truc pour mettre. Le piche-piche, voilà, donc je pense que vous le connaissez, il est vraiment cool, il sent hyper bon, voilà, je vous conseille fort, c'est un unisexe, voilà, si vous savez pas quoi mettre, je vous conseille les gars.
les filles. Donc maintenant on va directement commencer les vêtements parce que comme vous en doutez, j'ai que des vêtements comme quoi, comme chaque année les petits potes. Donc c'est parti. Donc premier vêtement, par contre il y en a ils sont froissés parce que je les ai eu bah, du coup ce matin. Et bah dans l'emballage ils se sont froissés, enfin dans le papier cadeau. Voilà, et il y en a un qui sort de la machine et il est froissé, donc voilà, faut l'aller repasser. Mais est-ce que ça vous dérange? Non, est-ce que ça vous... De toute façon, ça doit pas vous déranger, voilà. On est entre nous, on va dire. Donc, premier t-shirt, pour continuer, bah, du Carhartt. Voilà, donc il ressemble un petit peu à mon autre, mais en fait, je sais pas pourquoi, mais... Il est pas du tout la même matière que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et je le trouve vraiment cool. Voilà, je le kiffe. Donc c'est un peu plus discret avec juste le truc en or et voilà. Et j'ai même tendance à préférer celui-là qu'à celui que je me suis acheté. Mais comment vous dire que voilà. Il est vraiment cool, tout simple, tout basique. Petit t-shirt noir, vous voyez, tout simple. Je kiffe. On commence, je suis désolée, je dis beaucoup, voilà. Je parle trop. Donc voilà, c'est le petit t-shirt un peu froissé. C'est pas grave. Mais je trouve hyper beau, hyper beau. Donc c'est un petit taupe beige, je pense que vous avez reconnu pour les connaisseurs. Voilà. Petit obèche juste comme ça, petit logo juste ici au milieu, et il est vraiment hyper cool en blanc comme ça, et je pense qu'il est transparent mais pas du tout, donc je suis assez contente. Ensuite on continue dans le blanc, voilà, parce que bah, je sais pas pourquoi, j'ai eu deux t-shirts blancs, j'en ai clairement jamais, et du coup voilà. Un petit œuf, voilà, il est hyper joli je trouve, franchement l'écriture est trop belle de œuf, je la trouve vraiment trop belle, avec la petite fleur ici, voilà, la petite touche de violet, j'adore, vraiment il est trop propre, cet été ça va être lourd. Et l'étiquette hyper grande, hyper super contente. Voilà, une marque que j'avais pas du tout dans mon placard. Et je suis hyper contente d'en avoir maintenant. Les petits potes, on continue avec un achat. Donc c'est ma soeur qui me l'a offert celui-là pour Noël. Et je suis trop contente, ça m'a fait trop plaisir honnêtement. Voilà. Un petit Westie de Paris, les petits potes. Comment vous dire qu'il est juste incroyable. J'adore cette marque, c'est une marque que j'affectionne énormément. Parce que bah, c'est une petite marque indépendante et j'aime bien aider les petites marques indépendantes. Et j'en avais déjà deux chiantes comme ça. Là, ça m'en fait un petit troisième et je trouve que c'est une couleur qui change un peu. Honnêtement, je suis comme la plupart des personnes, je mets souvent du bleu marine, du noir, du blanc, du gris, j'aime bien aussi. Voilà, mais je sors pas de cette zone de confort que j'adore d'ailleurs. Et là, c'est un peu de la couleur et ma soeur a osé. Et honnêtement, je le trouve hyper beau avec cette aussi touche de violette du Westie de Paris. Et là, il y a la petite phrase toujours derrière, des petits trucs toujours un peu de partout sur ces t-shirts. Faut bien regarder. Et là, c'est juste ici, donc voilà. J'adore la typo de l'écriture. Franchement, il est vraiment cool. Je suis hyper contente. Voilà. Donc les gars, on finit avec le dernier t-shirt. Le dernier t-shirt. Après, on passera à deux suites et j'aurai fini pour ce début de vidéo. Donc un de mes préférés aussi, je le trouve vraiment incroyable. Avec le petit œuf derrière, mais quand vous savez bien, œuf, petit truc derrière qui dit gros truc derrière et le petit truc devant. Du coup je me suis fait, et comment vous dire que la typo est genre juste incroyable. La qualité de l'impression est vraiment d'art. Vraiment c'est de la bonne impression et tout, un peu au relief. Elle est vraiment cool, voilà, et je trouve vraiment hyper hyper beau. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est un de mes préférés. Il est vraiment incroyable, je trouve. Voilà, donc en bleu marine comme ça, il est vraiment d'art. Il claque de ouf. Voilà, avec ce petit rose qui en sort bien, j'adore. Voilà. Dites-moi dans les commentaires. Un petit crew neck œuf, les petits potes. Voilà, on a la petite étiquette ici, donc c'est un taille M celui-là. Et il est tout ça en gris et j'en avais honnêtement pas des crew neck gris et vraiment qualité de ouf, hyper hyper lourd quand même. Et il y a juste un œuf worldwide. J'ai un accent anglais de merde donc on ne jugera pas s'il vous plaît. Voilà, avec la petite planète qui prend feu. Et honnêtement je le trouve hyper beau. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, après il est tout ça en gris. Et il y a juste un petit détail ici avec marqué œuf. Voilà, mais je trouve aussi vraiment incroyable. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vraiment, c'est une marque que je n'avais pas, que je connaissais depuis longtemps, mais que j'ai vraiment commencé à apprécier pendant un petit moment à regarder tout. Et là, vraiment, je suis hyper contente d'en avoir plein, des articles, donc voilà. Dernier article, les petits potes, c'est mon préféré. Vraiment mon préféré. Vous êtes prêts à voir du lourd, les petits potes? Il est lourd, lourd, lourd. En plus, je viens de capter qu'il y avait un petit truc là que j'avais pas vu. Donc, c'est un œuf aussi. Celui-là, c'est un taille S et c'est un sweat à capuche. Lui, voilà, en noir. Bah, j'avais pas de sweat noir à capuche et je suis vraiment trop contente parce qu'il pète du ouf.
Et je viens de voir des petits détails que je n'avais pas vus, j'avais pas fait attention, je viens juste de faire attention, donc je vais vous montrer tout ça. Donc là, on a le petit logo basique de Euf, honnêtement, on le retrouve enfin, parce qu'on l'avait pas vu depuis le début. Donc voilà, avec toujours le World Wide, petit Euf avec une petite fleur et tout, avec toujours cette petite, ce petit relief de la. Ouais, petit relief vraiment cool. Et là, j'ai fait attention aux aglets auxquels j'avais pas fait attention tout à l'heure. Et ils sont du coup en. Je sais pas si c'est du métal ou quoi. Je pense. Et il y a un petit détail, mais je pense pas que vous allez voir. Il y a marqué œuf sur le dessus. Bon, non, vous allez pas très bien voir. Mais il y a marqué œuf, voilà, sur les deux. Donc, il est vraiment, vraiment beau. Et là, il y a aussi des petits détails sur celui-là. Donc, il est aussi en métal un petit peu. Et il y a aussi marqué Worldwide œuf. Du coup, c'est vraiment cool. Donc, ça va vraiment jusqu'au détail. Et là aussi, on a un petit détail du œuf ici. Et le derrière, voilà. Qui est juste magnifique. Voilà. Avec toujours, mais vraiment, c'est une très bonne qualité, je trouve, d'impression là. Je sais pas si c'est les mots exacts qu'il faut utiliser, mais on voit vraiment beaucoup de relief et c'est vraiment cool. Voilà. Et je trouve le dessin vraiment très très beau avec les fleurs, etc. Il est vraiment incroyable. Je suis vraiment trop contente. Voilà, je pense que ça doit se voir. Donc voilà pour le dernier vêtement, les petits potes. Et puis j'ai envie de vous dire, bah, on se retrouve plus tard pour la fin et clôturer la fin de cette vidéo. Voilà, les petits potes. J'espère en tout cas que ce début de vidéo vous plaît bien. Bon les petits potes, on se retrouve pour la suite de la vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez toujours bien. Hein. En tout cas, moi ça va vraiment nickel, hein, tout le temps. Pour le dernier article de cette vidéo, qui n'est pas des moindres, qui je trouvais incroyable. Ça change, je n'avais pas cette couleur, donc je suis contente. Voilà, c'est un vêtement. Hein. Regardez-moi cette pépite de malade. N'est-il pas incroyable, les gars? Col rond, hyper serré, gros col et tout. Comme je kiffe. Petite imprimé Dickies ici en relief, les petits bottes. Il est en relief, il est incroyable. Voilà. Cette couleur est juste magnifique. Et juste petit détail en bas avec le petit logo Dickies, ton sur ton. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ton sur ton, Bordeaux sur Bordeaux. Du coup, voilà. Bon, petit pote, comme j'ai pas trop le temps de finir cette vidéo et que c'est un peu à l'arrache la fin, je fais directement porter direct là maintenant. Et après, je vous laisse avec des vraies portées sur les autres articles, enfin les autres vêtements que je vous ai montrés avant, au début de vidéo. Donc, sur ce, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher vos plus grosses pouces bleus, à vous abonner, commenter et partager la vidéo. Sur ce, les petits potes, bah, j'ai envie de vous dire à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous! Mon petit pote, petit porté, voilà, tranquille. Petit t-shirt Dickies, je le trouve juste incroyable. À ce qu'il paraît, c'est une couleur qui me va bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et il est juste trop beau, non? Avec le petit Dickies ici. Je le trouve incroyable. Petit col bien serré et tout. Check, nickel. Donc on finit sur une beauté, j'ai envie de vous dire. Bon, les petits potes, je vous laisse avec le vrai porté. Let's go!